Yo tout le monde, c'est Mamlazizou. Aujourd'hui, on se retrouve, eh bien les gens, pour la fin de ce let's play, tout simplement. Il ne reste plus que deux niveaux, à part s'il y a une étoile warp, ça je ne sais pas. Normalement, c'est la fin du let's play. Hein. Je sais pas combien il y a de sorties, mais bon. Donc, il nous reste plus que ces deux donjons. Ce donjon-là est le gros donjon. Donc, Crazy Chapel. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Chapel, je sais pas ce que ça veut dire, mais Crazy Fou. Ça veut dire fou. Bon, mais on entre, hein. On va voir ce qu'il y a dedans. Ah, ouais. Là, je suis choqué. Le graphique de malade. Et ah, on peut les avoir. Est-ce qu'eux aussi? Bon, bref. On regarde surtout... Waouh. Regardez le fond. Il bouge comme je ne sais pas quoi pour nous déstabiliser. On peut voir des images. On dirait des trucs d'église. On dirait. Personnellement, je suis jamais allé dans une église. Voilà. Après, c'est ma vie. Hein, on s'en fout. Allez, on y va. Mais bref, voilà. Alors. C'est un manoir abandonné, on dirait. Hein. Mais pourquoi Crazy? Il a pas l'air trop crazy, hein, ce truc. Oui, crazy. Ça vous pose un blème que je dis crazy et pas crazy. Non, bref. Ok, bon, alors. Il y a une porte ici. On va entrer, hein. J'espère que ça ne sera pas un casse-tête. Parce que moi, j'aime pas les casse-têtes. Et le problème, c'est déjà ta tête. Non, bref. Oh là là. Il y a un mur. On va tomber? Ouais, on tombe. Tiens. C'est pas mal ça qu'on peut les tuer avec notre fleur. On va faire attention à lui là qui nous troll. Voilà. Merci d'arrêter ton troll. On monte. On monte. Super. On s'est pas fait toucher. Tu dégages. Attends. On va le faire venir ici. On a une porte. Ok. On entre. On entre, allez. Attention. Ok. On n'a pas vu cet endroit. Ok. Ouh là 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 là. Tu vires. Merci. J'avais une chose à vous dire aussi. Hein. C'était pas découverte, hein, ce let's play. Je vous l'avais déjà dit dans plusieurs épisodes, hein, je vous l'ai déjà dit. Donc si vous me suivez, vous devrez le savoir normalement. Donc par contre, c'est ce niveau-là et le dernier château, je ne les connais pas. Donc là, si c'est un casse-tête, peut-être que je ne saurais pas me débrouiller. Pour l'instant, ça a l'air d'un casse-tête parce que les salles se ressemblent de plus en plus. Oui, je pense que je suis déjà allé là. Ça va être un casse-tête. Hein. Moi, j'aime pas trop ça. Mais heureusement que j'aime faire l'avantage. Et que je vous montrerai pas les scènes nulles. Pour l'instant, on est encore en train de découvrir. On n'est pas en train de tourner en rond. Donc, on tourne un peu en rond, mais... Ça débute. Hein. On va pas couper. Je reste avec vous parce que j'ai peur. Voilà. C'est dit. Voilà. J'ai peur du noir. Non, bon, bref. D'ailleurs, il y a de la fumée dans ce niveau. Tout pour nous déstabiliser. Toutes les salles se ressemblent. Aïe. Alors, faudra esquiver, c'est vous. Oh là 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 là, j'aime pas ce... Non, mince, on s'est fait toucher. Bon, on trace. Allez, 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 allez. Ah, de nous troller, toi, avec ta tête. On a failli toucher le bout qui est juste au-dessous de nous. Il y a une porte à droite et une porte à gauche. Où aller? On va plutôt aller dans la gauche. Tac. On tourne en rond, je pense. On commence à tourner de plus en plus en rond. Oui, cet endroit-là, on l'a déjà fait. Eh ben, écoutez, super, hein, voilà. On tourne en rond comme des idiots. Comme un idiot, parce que c'est moi qui fais l'idiot, pas vous. Vous visualisez un idiot. Voilà, c'est pas pareil. Alors. On va essayer de... Pas besoin de faire l'idiot.
Bon, il n'y a que cette porte. Quand il y a plusieurs portes, il faudra faire... Super, on tourne en rond. On tourne comme des idiots en rond. Comme un idiot, je vous le répète encore une fois. La musique, elle est stressante, elle fait peur. Elle nous met dans un stress. On entre. Ok. Bon. Aïe, mais non. Perdre de l'énergie comme ça, c'est... Bêtement, c'est bête. Alors, faire un truc bêtement, c'est bête. Vous apprenez quelque chose avec Mamie Zizou, moi. Moi, je vous apprends des trucs, pas comme les autres youtubeurs, et ouais. Bon, bref. Oh là 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 là. Je déteste ça, les casse-têtes. J'aime les maisons bout, mais les casse-têtes, j'aime pas ça. Voilà. En principe, les maisons bout, c'est tous des casse-têtes, mais pas des gros casse-têtes comme ça. On va se baisser, non? Ok. Alors, est-ce qu'ici on est y allé? Et toutes les salles se ressemblent exprès pour que on sait pas où on est allé et tout. Le créateur du hack s'est forcé à faire tout pour nous saouler dans ce niveau. Dans ce manoir. Bon, on entre, hein, écoutez. Est-ce qu'on est y allé ici? Je ne sais pas, puisque toutes ces putains de salles se ressemblent. Ça, je sais pas si je l'ai fait. Si j'aurais encore ma fleur de feu, j'aurais pu les tuer. Mais malheureusement, je l'ai plus parce que je l'ai perdu bêtement. Allez, allez. Non, mais barre-toi. Mec, barre-toi. Ok, super. On passe où? La dernière fois, on était passé à gauche. Ouf. On était passé à gauche et on avait recommencé. Donc, je vais pas me faire avoir une deuxième fois. Là, il y a une porte, mais c'est... What? Pas envie de me faire toucher non plus. C'est un casse-tête et il est difficile, le casse-tête. Donc, faut faire attention, hein. Alors, en bas, là. Si on va en bas à gauche. Ah. Ah! Qu'est-ce qui se passe, là? Un boss ou quoi? Déjà, j'ai peur. Écoutez, j'ai peur. Même si ce boss de merde, c'est un boss de merde... Non. S'il vous plaît. Le problème déjà, c'est ta tête. Bon, les gens, comme le casse-tête est résolu, je vais faire une petite ellipse le temps que je reviens ici. Donc le casse-tête est résolu, ça va pas me poser de problème maintenant. Donc allez, moi je vous dis ciao, enfin ellipse, allez, re. Écoutez les gens, ça fait 1 heure que je tourne en rond depuis tout à l'heure. Oui, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, ben en fait. L'énigme, elle n'était pas résolue tout, du tout en fait. Allez, on entre. Cette fois-ci, on va essayer de pas faire l'idiot. Parce que j'ai pas envie de tourner en rond comme tout à l'heure. Allez, bim, tu te la fermes maintenant. Non, tu veux pas te la fermer, ok. On va en prendre un autre. Que franchement, c'était un epic fail ce que j'ai fait tout à l'heure. Ah, le BG là, franchement, il me saoule vraiment. T'es mort? Non, il veut pas mourir. Il aime pas mourir debout, hein. Hein, qu'il aime pas le mourir, hein. Tiens. Ah, par contre, ses amis là, ils viennent par milliers. Tiens, allez, meurs. Voilà, ça te va? Non, en fait, le boss, il est tout pourri, mais. Désolé, hein, petit bug, enfin pas bug, mais bref. Oui, bon, le boss il est tout pourri en fait, hein. Les gens! Last castle, last. Last ça veut dire dernier, je pense. Oui, dernier château. Voilà, désolé pour le bruit, parce qu'il y a mon petit frère qui est venu. Bref, on s'en fout. Là, on va s'attaquer au last castle, comme ils le disent. Bon, allez, on entre. On arrête de faire durer le suspense. C'est parti. Voyons voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Putain, allez. Voyons voir qu'est-ce qui se passe. Déjà, il y a de la lave qui coule. C'est pas bon à voir. Alors. Oul. Les gens, ça a l'air épique. Allez, en silence, en silence. Non, pas en silence. En silence, en fait. On y va, quoi. Non, mais... Même mon petit frère aurait fait cette erreur.
Non, même mon petit frère aurait fait mieux. Bref. On va y aller. Allez, rentre, Towad. N'aie pas peur. N'aie pas peur de ce château. Parce qu'à moi, il ne me fait pas peur. Bon, il faut que je l'avoue un peu. J'ai très peur. Et j'ai peur aussi du boss. Ok, pour l'instant, ça va. Mais je pense que ça va se corser. Ok, direct une porte. Il est comme ça. Lui, il est comme ça. Alors, pourquoi il laisse des portes pour qu'on y revoie, c'est ça? Je vois. Voilà. C'est pas normal, ça, qu'il y ait une porte à l'envers. J'ai déjà eu ça dans d'autres. Dans notre hack, c'est un truc avec la gravité. Voilà. On changeait la gravité. C'était dans un hack Brutal Mario, si vous voulez savoir. Quand j'étais encore à 12 ans, j'avais fait ce hack et m'avait traumatisé. Voilà, c'est dit. Parce qu'il n'est pas fait pour noob. Et quand j'avais 12 ans, j'étais franchement un noob. Je le suis encore. Non, bref. Allez, hop, on entre, c'est parti. Bon, juste ce château a l'air épique. Encore une porte à l'envers. Voilà, ça sent la gravité. Bim. On tombe sur cette petite plateforme. Top, barre-toi. Ok. Là, la porte est à l'envers. Monde à l'envers. Vas-y, saute. Ok, merci. Tiens, là, on va rentrer là. On entre. Où ça nous mène? Ici, ok. Qu'est-ce que c'est? Une pièce? Un champignon. Parfait. Tu pourrais pas me donner un petit checkpoint? Encore une porte à l'envers. On va voir à quoi ça sert. What the? Ah! Je viens de voir quelque chose là. Là, on est à l'envers, les gars. On est à l'envers. C'est magnifique. Je viens de comprendre. Tout à l'heure, les portes, c'était comme ça. On était comme ça. Mais là, c'est passé. Bon, ok. Vous avez compris vous-même aussi. Je pense bien. Donc là, nous sommes à l'envers, les gens. Oui, on est à l'envers. Donc maintenant. Faut pas aller se casser la tête à aller dans les portes qui sont à l'envers parce qu'ils ne sont pas à l'envers. C'est nous qui sommes à l'envers, d'accord? C'est une chose à savoir. Ok. On est à l'envers. Nous sommes à l'envers. Il nous a préparé des bons casse-têtes, hein, pour ces deux derniers niveaux. Barre-toi. Il faut essayer de garder notre champignon, hein. Parce que je pense qu'il va nous être serviable. C'est pas un truc qui va me servir à rien. Comme si on était dans le premier niveau. Bon, allez, on continue. On passe par en haut ou pas? Non, on passe par là, au milieu. D'accord, de toute manière, en haut, on pouvait pas. La porte est à l'envers. Enfin, à l'endroit. Alors. Voilà, merci la vue. Vite, vite, vite. Non, pas possible ça, on s'est fait avoir. Alors. Ce château me fait un peu peur quand même. N'a pas l'air easy non plus, hein. Et c'est ça qui me fait peur. Allez, barre-toi, merci. Ouh là, ça va être hard. Ça va être dur à passer ça. Oh, non! J'ai fait l'idiot! Parfait. Ok les gens, nous y ressommes. Cette fois-ci, on va essayer de faire un peu plus attention. Oui, nous avons réussi. Frontière passée. Ok, qu'est-ce qui nous attend maintenant? Ok. Quand fait le château, il ressemble au niveau précédent, hein. Les salles se ressemblent les unes les autres.
Non! Non! Lolo, non! Donc voilà, jusqu'à là, j'ai perdu mon champignon au même endroit, sauf que là j'avais un champignon, donc je suis pas mort, mais je suis petit. Donc on va continuer. Allez, on entre. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il y a de... Ok. Ouh, là du pour-up. Je suis affamé là. Barre-toi, toi. S'il vous plaît, du power-up. Barre-toi, je t'ai dit. Oh non. Faut prendre de l'élan, c'est pas sérieux. Mais toi, barre-toi, s'il te plaît. Là, j'ai gavé peur. Enfin, j'ai gavé. Vous comprenez pas sur... Vous comprenez sûrement pas gavé. Mais ça veut dire beaucoup. En fait, j'ai un max peur, si vous préférez. Non, ce n'est pas du power-up. Je me casse la tête depuis tout à l'heure pour ça. Pour rien. Pour une pièce, en fait. Ah, mais là ça fait du bien. Mais oui que ça fait du bien. Ok, on va pas tenter le tout pour le tout, comme on dit. On va entrer dans cette porte et on se barre. Voilà, c'est dit. Ok, qu'est-ce qui se passe? On refait le même endroit, c'est ça? Eh, mais n'empêche, je vais me faire encore du power-up comme ça. Non? Ah, what? Ah d'accord, je suis en mode à l'envers là. Plouf, plouf, malabar, tu te barres, espèce d'idiot. 1, 2, 3. Voilà, prout. Je prends lui. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette porte? Ok, on a une phase qui sert à rien. Totalement easy. C'est pas grave. J'aime le easy. Allez, on va pas s'en plaindre. Hein. Le haut, il me. On dirait que c'est. On dirait qu'il y a des pics. Hein. On va passer par en haut. Ou que ça me fait penser à Mario Bros, hein? Non! Ne me dis pas qu'ils ont fait le truc de Mario Bros 1, le labyrinthe là de merde. Il faut passer bien comme il faut là. Donc ce n'est pas en haut. Ok, là ça fait un petit bruit. Nous avons entendu, hein? Ok. Toi dégage là. Ah j'espère que c'est tout. Oui c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Youpi. C'est la fête. Pour fêter ça, banane, voilà. Non, ouf. Oh là là. C'était une belle esquive, hein, n'empêche. Ah, encore un labyrinthe, j'ai entendu le truc. Là, on va passer par en haut, non? Oui. Eh ben, on est chanceux là, dis-moi. Dites-moi. Ne me dites pas que t'es que un, hein, que vous êtes que une personne, hein, qui regarde cette vidéo. Parce que là... Je me casse la tête. Hein. Ouh! Non! 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 Comment j'ai pu perdre mon power-up ici? Non! Devant le boss! Nous allons nous reposer. Hein? Voilà. Donc, ça va être chaud là pour le boss. Donc, c'est parti. Ok, nous entrons. 1, 2, 3, 4. Alors, quel est ce mystérieux boss? What up? Non! Ne me dis pas que c'est lui! Mais gars! Oh, non! Non! Oh. C'est parti, les gens. On va re-y aller. Hein. J'ai dû me retaper tout ce château. Hein. Alors, c'est parti. Non, non. Non! C'est pas possible! Par contre, je vais baisser le son de l'âme. Oh! Non! Mais non! Nous y ressommes. On va essayer de se concentrer. Non! Non. Il n'est pas sérieux, lui, de mettre un... Non! Mais non, les gars! La rage vient en moi.
Quoi? Il se passe quoi là? Non! Non! J'accepte pas! Non! Vous avez vu ce qui s'est passé? Ce n'est pas possible! Le gars qui a fait ce hack est trop sadique! Je délire. J'abandonne, non. Mais c'est quoi cette merde? Buggé en plus. Ok. Mais je lui saute dessus, je lui ai sauté. Je n'en peux plus, voilà. Les gars, je viens de tuer le vieux fou. Voilà ce qui se passe. Les gars, j'en pouvais plus. Depuis tout à l'heure, je rageais tout seul en off. Et là, je viens de donner le coup final. Je vais donner environ une trentaine de coups pour le battre. Vraiment. Et esquiver tous ces coups, c'était vraiment dur. Donc, toi, de... Ah non, 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 non. Ok, bon, de toute manière, je sais pas lire l'anglais. Superbe. Auteur Iceman, level design Iceman était superbe les gens. Oh là 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 là. J'ai fini. Oh là là. Les gens, j'ai fini. J'ai fini. Le let's play se finit. Ou plutôt le WT car c'était un 100%. Ah, je peux vous dire que ce château, j'en ai bavé. Hein? Oui, j'en ai bavé. Ça veut dire que j'ai souffert, voilà. Recommencer ce putain de niveau, je sais pas combien de fois, enfin ce château, en plus qu'il est géant, en plus que ses boss sont ultra hard. Donc si tu perds, tu recommences tout. Ouais, franchement, c'était pas easy. On peut rien dire. Mon ami Aurel fait que me dire que à chaque fois. Désolé Aurel, je parle de toi. Mais quand je te dis qu'un truc c'est dur,
Tu me vexes. Tu me dis non, c'est easy, mais c'est pour toi. Mais pour moi, c'est hard. Bon, mais là, tu ne peux pas dire que c'est easy. Non. Bon, alors, le crédit est terminé. Non. Et toi? Oui, et moi? Qu'est-ce qu'il y a? And you? Oui, et moi? Et oui! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai même pas lu. Je suis con. The end. The end. The end qui dit... let's play fini. WT fini. Bordel, je vais arrêter de dire let's play. C'est un WT, ça. Je pense qu'on peut plus rien faire, les gens. On ne peut plus rien faire. Les gens, c'était une super aventure. Moi, ce que je vous dis, c'est à la prochaine, tout le monde. C'était Mamnazizou. Dédicace à Bojan Aurel. Vipilière. Non, non, non. Véritable player. Bordel, Vipilière et véritable player, ça se ressemble trop. Véritable player, Vipilière. Franchement. Bref, voilà, on se laisse sur cette musique. Cette belle musique, j'en ai ragé, hein. Avec le boss de Megaman et un vieux lutin bizarre qui veut me tuer, je sais pas qu'est-ce que je lui fais. Bref, merci à tous ceux qui me soutiennent. Ciao tout le monde, c'était Mamnazizou, c'était un super WT et j'en ai ragé. Allez, bye!